Là où est la lumière, est-ce que j'apporte la discorde, le ressentiment, la méfiance? Ai-je des sottes d'humeur? Suis-je contrarié par des propos qui heurtent ma conscience? Déjà, la lumière qui brille en moi commence à devenir moins brillante. Est-ce que je supporte les injures et les coups avec patience égale à la force? Car sage est celui qui garde son calme dans le malheur, ne s'enorgueillit pas dans l'aisance, ne se montre pas lâche dans le danger. Est-ce qu'il m'arrive de hurler ou de vociférer? La lumière devient de plus en plus sombre. Ai-je des pensées de rancune, de jalousie? Ai-je des désirs égoïstes? Est-ce que j'apporte des ragots, des calomnies? Ai-je des réactions brutales à certains propos? La lumière devient très faible. Ai-je des pensées de haine? Suis-je animé de sentiments de colère, de vengeance, d'incompréhension? Ai-je des désirs de guerre, même légitimes? La guerre n'est jamais légitime. La lumière alors s'éteint dans notre tabernacle et la présence n'est plus là. Apprendre le silence et la tranquillité. Rester impassible devant les sots, devant le dédain des ignorants et l'insolence des orgueilleux. Tends la main à ton frère, ta sœur qui sont dans le besoin. Nourris les affamés, recueille l'oisillon tombé du nid, mais ne commets pas l'erreur de le mettre ensuite dans une cage, car la lumière s'en ira de toi pour toujours. Là où est la foi, la paix, se trouve l'amour. Là où se tient l'amour est la lumière. Là où est la lumière se tient le divin.